Bonjour, je m'appelle Hassan, bienvenue chez moi. Bienvenue aux trois garçons, welcome tous les trois garçons. Cet immeuble de style victorien date des années 1880. Autrefois, c'était un pub, mais nous l'avons transformé en restaurant. Notre restaurant comprend environ 75 couverts. Avant, on recevait beaucoup ici, à domicile. Mais maintenant, les gens qui viennent ici dînent et payent. Oui, Michel a raison. On recevait très souvent. On avait des grosses fêtes ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons créé ce restaurant. C'est le fruit de nos habitudes de l'époque. Des dîners intimes d'une part et des énormes fêtes à thème d'autre part. C'est sans doute dommage, mais nous ne sortons plus trop. Mais d'un autre côté, avec le restaurant, nous profitons désormais d'une clientèle et d'amis vraiment incroyables, ce qui change tout. On aime passer du temps avec eux et du coup, nous ne sortons plus. Suivez-moi, nous allons monter au salon. Cet escalier étroit est typiquement victorien. Ça, c'est un couloir que j'appelle notre galerie, car on y trouve de nombreux tableaux. Ce ne sont pas nécessairement des tableaux de grande valeur, mais ce sont des œuvres que j'aime, ma collection à moi. Une décoration d'intérieur est réussie lorsque vous vous y sentez à l'aise. Tout d'abord, il faut définir s'il s'agit d'un espace privé ou public. Si c'est un espace privé, c'est un endroit où vous devez vous sentir vraiment chez vous. Vous rentrez et vous êtes tout de suite à l'aise. Le salon est d'inspiration française. Il y a beaucoup de mobilier d'origine française et suédoise des 18e et 19e siècles. Avec des touches des années 60 et 70. En fait, vous avez des choses venant de Russie, du Danemark, de Suède, de France, d'Italie. Mon sentiment est que chaque pays a quelque chose à offrir. Nous aimons les antiquités, des beaux objets, tout simplement. Certaines personnes trouveront ça trop chargé, mais pour nous, c'est un plaisir que d'admirer notre collection. Ça nous calme, ça nous apaise. Notre mode de vie étant plutôt agité, nous aimons rentrer chez nous dans le calme, entouré des choses qu'on aime. Ça, ça vient d'un château en France. On a dû retirer la fenêtre ici pour le rentrer. Vous avez vu à quel point l'escalier est étroit. On a donc dû le faire rentrer par la fenêtre. On l'a acheté à cause des trois couronnes, une pour chacun. J'aime aussi le mobilier contemporain. J'ai commandé cette pièce à un ami. J'ai trouvé que ça ferait un contraste intéressant avec toutes les autres pièces plus anciennes. Notre démarche n'est pas mercantile. On ne cherche pas à investir dans quelque chose qui va rapporter tant dans 10 ans. On a des objets qui valent 20 livres et d'autres qui valent 20 000 livres. Et on ne fait pas la différence. La valeur marchande n'a pas d'emprise pour nous. C'est purement esthétique. J'aime bien la sculpture de Salvador Dali, que l'on garde dans sa boîte. Je ne suis pas un grand fan de Dali, mais j'adore ce concept. C'est censé être Jésus-Christ, mais le visage est celui de la femme du peintre, et elle porte des gants de boxe. Le miroir au fond de la pièce, c'est une des premières choses que l'on a achetées pour cet endroit. Moi, ce serait le baromètre. J'aime les horloges et les baromètres. Et celui-là, Michel et Hassan l'ont ramené de Paris. C'est français, du 18e, et c'est splendide. Comme nous n'avons pas de jardin, je voulais quelque chose provenant de l'extérieur, à l'intérieur. J'ai fait venir cette balustrade en pierre d'un cottage anglais à Bath. Elle date du 18e, et comme elle est extrêmement lourde, on a dû la stabiliser afin qu'elle ne s'écroule pas. Et en déambulant ici, on découvre des pièces des années 40 ou 50. Voici un canapé des années 40. Et le salon de télé, qui est plus nettement 20e siècle. Voici un canapé de Sède des années 70, un lustre Serge Mouille, quelques œuvres contemporaines. C'est ici qu'on se relaxe et qu'on regarde la télé. Jack ici, il peut être assez énervant. Chaque fois qu'on regarde la télé, il fait du boucan.
Ça n'est peut-être donc pas l'endroit idéal où le mettre, mais on l'aime l'avoir près de nous. Quand on a acheté l'immeuble, c'était un squat. La vingtaine de gens qui y vivaient avaient tout saccagé. Les sols, les portes, tout avait été défoncé. Et on a donc tout restauré petit à petit. Et il nous reste encore du travail, en fait. Ici, nous avons une des plus petites pièces de la maison. Et je me suis demandé ce qu'on pouvait faire avec une si petite pièce. Alors on l'a transformée en petite bibliothèque, où nous avons mis toutes les pièces qui n'ont pas de place véritable. En fait, tous les petits objets paraissent perdus au sein de grands volumes. Alors nous les plaçons plutôt sur ces petites étagères. Quant à ces livres, pour tout vous dire, je les ai achetés parce qu'ils créaient un contraste intéressant avec ces étagères en ébène noire. Mais ce sont aussi des comptes rendus écrits fascinants de leurs époques, de 1800 à 1900. Par exemple, vous voulez savoir ce qui s'est passé il y a 100 ans, vous ouvrez à la date en question et vous lisez très exactement ce qui s'est passé ce jour-là. C'est comme un quotidien de l'époque. Nous vivons ici depuis 10 ans maintenant. Depuis 1996. Londres nous apporte énormément. C'est une des villes les plus cosmopolites au monde. Et j'adore la façon dont le monde cohabite. Prenez-nous par exemple, Michel est français, Stéphane est suédois et moi je suis malaisien. On se sent tous chez nous ici. La preuve, c'est que nous sommes ici depuis 15 ou 20 ans et nous n'avons aucune intention de partir. Londres est vraiment notre ville où nous pouvons nous exprimer librement. Le sentiment principal, c'est l'ouverture d'esprit. La plupart des Londoniens l'ont. Moi, ce que j'aime, en plus de tout ce qu'a dit Hassan, c'est le fait que tant de gens viennent du monde entier, ce qui vous permet d'apprendre des choses différentes de chacun. Nous montons maintenant au deuxième étage. Ici, il y a trois chambres à coucher. Celle-ci est une chambre d'amis, de style français. On la surnomme donc la chambre française. On la voulait un peu féminine. C'est plus pour nos amis. Les femmes la préfèrent, en fait. Kate Moss, chaque fois qu'elle passe, nous dit qu'elle veut dormir dans cette chambre. C'est pas notre invitée, mais chaque fois qu'elle vient au restaurant, elle demande si elle peut passer la nuit ici. Et je lui dis, avec plaisir. Celle-là, c'est la chambre anglaise, à cause du lit anglais. Cette chambre est volontairement plus sombre et masculine, qui contraste avec la chambre plus féminine. Les femmes n'aiment pas trop cette chambre, uniquement les chapeaux qui sont là. Elles veulent toujours les essayer. J'aime les vêtements et les chaussures d'époque. Je les collectionne, toutes périodes confondues. Des robes aussi. Je trouve ça vraiment dommage. Les hommes ne peuvent pas porter de vêtements magnifiques. Ils portent toujours des vêtements sans intérêt. Moi, si je ne porte pas de vêtements pour femmes, cela ne m'empêche pas de les apprécier, de les admirer. Tous les gens qui viennent ici me demandent, est-ce que tu essayes ces robes? Et je dois à chaque fois les décevoir. Ici, c'est le dressing. Tout est en chaîne. Je voulais l'ambiance d'un tailleur pour gentleman anglais, comme à Savile Row. En même temps, je ne voulais pas de cabinet fermé, ce qui me paraissait trop sévère. J'ai donc fait faire des portes en verre et en miroir. C'est plus léger, vous pouvez voir ce qu'il y a. Malheureusement, tout devient un peu chargé et je pense qu'on va avoir besoin de plus d'espace. C'est une des raisons pour laquelle j'ai un certain nombre de mes chaussures dans l'entrée là-bas. Voici une autre chambre, la chambre bleue. La couleur est bleu nuit. Et quand il fait nuit, justement, c'est magnifique, car le plafond est de la même couleur. Alors vous vous croyez transporté dans une galaxie, d'où le thème du soleil et des astres. La tête de lit est italienne, du 18e, et provient d'une église. Les 10 commandements y étaient inscrits. Je ne voulais pas d'une tête de lit ordinaire, je voulais quelque chose qui vous rende heureux. Quand vous vous réveillez avec ce soleil, vous pouvez vous imaginer être le roi soleil. La chambre, le dressing et la salle de bain se suivent.
J'ai toujours pensé qu'une salle de bain devait rester propre, simple et un peu minimaliste. C'est le premier endroit où vous allez en vous réveillant, et je voulais un espace reposant. Alors j'ai fait faire toute la pièce en granit, des gros blocs de granit. Et nous avons une douche très intéressante qu'on appelle le ciel pluvieux. Vous êtes là-dessous et vous ne voulez plus jamais partir. L'hiver, on fait des feux de cheminée. La baignoire est très confortable. Ça n'en a pas l'air, mais une fois dedans, vous n'avez aucune envie d'en sortir. Et cet évier a été fabriqué d'un seul morceau, ou plutôt ces deux morceaux-là. Il a fallu 8 hommes pour le monter jusqu'ici, car c'est un seul bloc de granit. Et c'est si lourd. Vous n'avez pas idée du poids de cette chose, mais c'est vraiment lourd. Je l'aime parce que c'est pur et simple. Je suis décorateur d'intérieur de formation, alors je ne fais pas la démarche de demander conseil à des professionnels. On travaille beaucoup pour les autres, mais lorsqu'il s'agit de notre espace, on préfère s'en occuper nous-mêmes. Ouais, enfin, il y a eu des décorateurs qui sont venus ici et qui ont fait des commentaires pertinents. Je crois que c'est important d'être bon dans ce que vous faites, en restant à l'écoute du monde extérieur. Vous pouvez apprendre de n'importe qui, d'un enfant de 10 ans par exemple. Il s'agit de rester ouvert et d'absorber les choses. Chaque fois que nous voyageons, nous revenons avec des idées de gens rencontrés, comment ils vivent, comment ils mélangent les couleurs. Cela ne veut pas dire que l'on copie les choses. Ce sont des inspirations. Notre vie est une collection. C'est un peu comme à l'ère victorienne, quand les Anglais partaient faire le tour du monde et qu'ils revenaient avec des trésors achetés en Italie, en Égypte, comme des souvenirs de leur voyage. Quelque part, nous sommes les nouveaux victoriens. Bonjour, entrez donc. Je m'appelle Jane et voici Jess, mon associé qui travaille en haut, dans l'atelier qui fait partie de ma maison. On a beaucoup d'objets intéressants. Voici une lampe qui appartenait à la mère de mon mari, qui a donc une grande valeur sentimentale. Ça, c'est une fausse cheminée. Avant, il y avait 2 pièces ici et il y avait cette cheminée. Mais maintenant, c'est de la déco. Cet escalier en colimaçon est génial. Il était là quand on a acheté cette maison. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous a convaincus d'acheter. Cela permet un espace très grand dans le salon, ce qui est appréciable quand vous avez une famille. Vous avez de la place. En entrant ici la première fois, l'escalier dans cet espace nous a vraiment inspirés. Même si les murs en bois étaient sombres, je pouvais imaginer qu'une fois repeint, ce serait un endroit très agréable. Et Jess était de très bons conseils. Il y a une vraie ambiance dans cette maison. En grande partie parce qu'il y a une perspective qui mène directement à l'arrière de la maison et au jardin. Et vous vous sentez tout de suite transporté dehors. Alors ici, c'est ce qu'on appelle notre cuisinette, qui est également une buanderie. Et c'est une de mes pièces préférées à cause de la lumière naturelle. Je prends souvent mon café ici. Et Jess et moi profitons de la lumière pour vérifier les couleurs des échantillons avant de les expédier à nos clients. Et c'est très joli, tous ces effets d'ombre sur le mur. Et ici, nous avons fait des travaux récents. C'est une salle de bain que mon mari et moi avons récemment décorée. Elle est plutôt chouette.
Si vous voulez bien me suivre dans notre espace cuisine salle à manger, c'est ici que nous recevons bon nombre d'amis. Il y a de la place pour toute la famille. On aime faire des dîners, des fêtes. Et on vient d'installer des portes-fenêtres coulissantes, ce qui nous donne un espace incroyable, à la fois intérieur et extérieur. Nous nous asseyons souvent ici, Jess et moi, pour travailler sur nos projets. Ces dessous de plaques que l'on trouve facilement dans la région nous inspirent en fait dans notre travail, qui est souvent à base de rayures. Ça, c'est une œuvre intéressante que mon mari a trouvée. Il est sculpteur et c'est en fait la reproduction d'une frise qui est exposée au British Museum. C'est étonnant et lourd. Il est tombé du mur un jour, il a failli écraser ma mère. Mais elle est vivante. Ici, c'est le jardin. Suivez-moi. Ça, c'est un petit endroit pour se poser, avec vue sur les terrasses. Tous les voisins sont sympas. Venez, on va retraverser la cuisinette. Jess et moi, on se fait souvent les marchés d'occasion. Ça, par exemple, ce sont des tissus d'époque. Et c'est une grande source d'inspiration pour notre travail, comme certains accessoires pour lesquels Jess reprend certains de ses motifs en couleur. Et c'est efficace. On a emménagé ici il y a environ 18 ans. À l'époque, Hackney était le quartier des artistes. Comme je suis designer et mon mari sculpteur, on voulait ce type d'ambiance autour de nous. Et puis la maison était suffisamment grande pour y travailler. Il y a un studio dans le jardin et un atelier à l'étage où Jess et moi travaillons. Beaucoup de ces objets nous inspirent toutes les deux. Ça, c'est une collection très nature que l'on développe pour plusieurs gros clients. Le cadre de votre lieu de travail a donc un effet sur votre créativité. Actuellement, nous sommes toutes deux inspirées par des couleurs vives pour la collection printemps-été. Donc on s'entoure de couleurs. Mon mari a installé le sol. C'était un cadeau de mariage de mon frère qui dirige une boîte de récup. Nous sommes dans l'atelier de création Quinton Chadwick. C'est ici que nous travaillons. Jess et moi sommes associés depuis 8 ans. Le cœur de notre métier sont les tricots fantasy, mais nous sommes également consultantes. Nous sommes restés volontairement une petite boîte. On nous a proposé de nous agrandir, de devenir une très grosse entreprise. Mais on préfère diriger notre société à une échelle humaine. Et puis notre clientèle aime bien s'adresser directement à nous. Nos clients achètent à Jen et Jess. Ça, c'est notre petite bibliothèque truffée de livres de design. Et puis par ici, c'est la chambre à coucher. C'est calme, paisible et très frais. Là aussi, il y a des objets qu'on affectionne. J'aime ces petites boîtes en bois, souvent des objets de famille ou alors ça provient d'organismes de charité. Ces poupées et nounours sont ceux de mon enfance, donc j'y tiens beaucoup. Et Jess et moi, nous inspirons beaucoup des objets et souvenirs de notre enfance dans notre travail, tels que les petits tricots ou cardigans. J'ai aussi une collection d'écharpes d'époque que j'accroche un peu partout. Elles aussi sont une source d'inspiration pour nos gammes d'accessoires, soit les motifs, soit les couleurs.
Ça, c'est mon petit coin noir et blanc. Encore des choses qui peuvent nous inspirer. Ça, c'est une couverture en patchwork très ancienne que l'on scanne parfois sur l'ordi. C'est une source complète de tissus des années 50, une vraie mine d'or. Les sculptures sont l'œuvre de mon mari. C'est son métier, il est artiste. On se sert un peu de la maison comme un lieu d'exposition pour montrer à quoi ressemblent ses œuvres une fois accrochées. J'aime bien celle-là. Que ce soit un lieu de vie ou de travail, nous nous entourons de références. De vêtements, de couleurs, de textures. C'est ça notre inspiration. Bonjour, je m'appelle Sean Clarkson, bienvenue chez moi. Par ici. Commençons par le salon. Il est divisé en deux parties. Tout d'abord, l'espace de réception, qui se prolonge avec la salle à manger, et la cuisine. Quand des invités viennent dîner, ils viennent s'installer et discuter ici, pour être plus proche de la cuisine. Ce sol était à l'origine du verre blanc. Il s'est un peu jauni. Ça serait formidable d'avoir un sol vraiment blanc et très brillant. Il y a un deuxième espace ici. On l'appelle le salon en creux. Ici, c'est l'endroit pour la télé, être relax, boire un verre. C'est un peu plus privé. L'idée était d'avoir un espace très blanc, aérien, pour y mettre des beaux objets. L'immeuble disparaît en fait, pour faire place à une galerie d'art. Ça, ce sont des tableaux que j'ai faits de mon ancienne maison. Et les objets sont numérotés. Il manque d'ailleurs un panneau, celui avec la liste des objets, où je les ai achetés, leur origine. C'est le principe d'un magazine de déco, sinon que c'est mon ancienne maison. J'ai un goût très éclectique et je passe ma vie à acheter des choses. Ce qui m'aide à me relaxer, c'est regarder la télé. J'adore ça. Et peu importe ce que je regarde, je suis tout de suite bien. Mes passe-temps sont donc la télé et feuilleter des revues. Les deux me servent dans mon travail. Sinon, passer du temps entre amis, aller en boîte. Par ici, bien caché, se trouve le bureau. Je suis architecte d'intérieur et j'ai un cabinet à Londres. Mais je passe beaucoup de temps à travailler ici, le soir ou les week-ends. C'est mon espace de création où j'ai mes livres, des CD, deux ordi. Puis j'emmène le fruit de tout ça au bureau et on transforme tout ça en intérieur fabuleux.
L'idée était de séparer les deux espaces, d'où les rideaux, et des ouvertures sans porte. En fait, il n'y a aucune porte ici, à part la salle de bain. Et voici la salle à manger. C'est ici que l'on reçoit, quand ça nous prend. Et c'est très clair, c'est un ancien entrepôt où il n'y avait strictement rien. Tous ces niveaux ont été créés pour distinguer les pièces sans avoir de porte. Les niveaux inférieurs, le salon en creux, des demi-murs, tout cela crée des espaces distincts. Je cherchais une nouvelle maison. J'ai visité un appartement qui avait un toit en verre, c'était absolument incroyable. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Il n'y avait pas de vue, pas de fenêtre donnant sur des gens, des voitures ou d'autres immeubles. Or, je pense que même si la vue que vous avez n'est pas terrible, ici on a des murs en briques, des voitures en stationnement, des bureaux. C'est tout de même sympa d'avoir une ouverture sur la vie des autres. La vue est donc très importante, aussi moche soit-elle. C'était une ancienne usine ici, et ça, ce sont les portes d'origine. Et ces portes servaient au chargement de marchandises. C'était une usine de textile, avec des machines d'impression, d'où ces grandes portes. Il n'y avait strictement rien ici au début. C'était une énorme surface en béton. Quand on a emménagé, il y avait un tuyau à gaz et un compteur électrique. C'est tout. On a donc créé tous ces niveaux nous-mêmes. On a vécu ici un petit moment avant d'entamer les travaux. C'était important de bien appréhender l'espace. Et on a opté pour ces grands volumes et une seule chambre à coucher. Mais cela correspond à notre mode de vie. Je n'ai pas de chambre d'amis. Dans un ancien entrepôt, c'était bien d'avoir quelque chose d'un peu frivole. Je crois que je l'ai acheté avant même un lave-vaisselle. C'est un lustre français ancien. Les lustres, c'est une de mes passions. C'est d'une décadence folle. Ça, ce sont des tableaux indiens que j'ai rachetés à un restaurant indien dans le Sussex pour 10 livres. J'ai une vraie passion pour l'Inde, c'est mon pays préféré. J'y suis allé une dizaine de fois et je reviens chaque fois avec quelque chose de nouveau. Ces tableaux viennent d'Angleterre en fait. Mais l'idée de déco pour la cuisine, c'était nos souvenirs de voyage. Un vrai bric-à-brac d'objets divers, des marabouts, des attrape-poussières. C'est surtout mon partenaire qui fait la cuisine, moi pas trop. Ceci dit, à Londres, on ne reçoit plus vraiment de dîner de manière officielle. C'est plutôt des repas informels. Des gens débarquent, ils sont dans le quartier, et on se retrouve à se faire livrer des repas ou faire des pâtes. C'est beaucoup moins protocolaire. Nous arrivons dans la chambre à coucher. Là aussi, nous avons une sorte de paravent qui crée un chemin étroit. Et derrière se trouve la tête de lit. Encore une fois, l'idée d'être sans mur et sans porte, avec des espaces ouverts. Cette chambre est clairement inspirée de Philip Stark, avec ses rideaux en voile de coton. On a transformé cette chambre trois fois et on s'apprête à la décorer. Ça doit être une question de couleur. Avant, c'était sombre et violet, ce qui était bien pour commencer. Mais c'était chargé et on aurait dit une chambre mortuaire. On a décidé de rendre les choses plus légères. De ce côté, il y a un vis-à-vis. Alors de simples voilages ne suffisent pas. On a rajouté les rideaux de voile pour être tranquille la nuit. La lumière est sans doute ce qu'il y a de plus important dans une pièce, la lumière naturelle. Ensuite, le choix le plus important à faire, c'est la couleur des murs. C'est le facteur dominant. Si vous choisissez du noir, du blanc, du rose, cela affectera l'ambiance générale. I've
J'ai une vraie passion pour le mauve. Quand j'ai emménagé ici il y a 10 ans, j'ai peint tout l'intérieur en mauve. Et je m'en lasse toujours pas. Je trouve ça très reposant. C'est léger, tout en ayant de la personnalité. J'ai acheté un tableau récemment lors d'un voyage à Buenos Aires. Il date des années 40 et je ne sais pas encore où l'accrocher. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça me fait penser aux vacances et c'est un joli tableau décoratif. Il me semble que mon métier d'architecte d'intérieur est tributaire de la mode. Moi, je change tout le temps. Vous achetez, vous vendez, vous déplacez les choses. Et la clé du succès est de comprendre votre public et votre client. Avec le client, c'est comme un mariage. Vous commencez par forger une relation. Puis, sur le chantier, quand vous commencez à dépenser son argent, c'est le mariage. Puis à la fin, la séparation est vécue comme un divorce. Bienvenue, je m'appelle Ashley Hicks, j'habite ici dans le quartier de Chelsea avec mon épouse Allegra. Je suis décorateur et elle est styliste. Rentrez donc! Nous sommes dans une maison typiquement londonienne de style victorien qui date des années 1850. C'est donc une maison étroite avec un couloir étroit. Nous avons ajouté cette arche afin d'ouvrir un peu l'espace. Et nous avons installé un papier peint personnalisé avec nos initiales pour Ashley et Allegra et 92, qui marque la date de notre arrivée ici il y a bien longtemps. Il y a aussi un labyrinthe et une solution alchimique. Ce sont des private jokes. Ça, c'est l'autoportrait d'un artiste américain, Donald Bachelor. J'ai grandi dans des maisons exceptionnelles, dont les décorations étaient aussi belles que célèbres, et qui faisaient l'objet d'articles incessants. Il y avait des photographes à la maison toutes les semaines quand j'étais petit. Mais mon père créait des espaces très intimidants et difficiles à vivre. C'était son but. Chaque pièce devait être ressentie comme une menace. Qu'elle soit inconfortable, comme ça les gens s'en souviendraient, restant frappés par la beauté. Mais c'est une approche plutôt bizarre pour une maison. Par ici se trouve la salle à manger. Je ferme la porte pour que vous puissiez voir toute la pièce. J'ai conçu le motif des fresques et Allegra les a peintes. Appelé Chintamani, c'est un motif traditionnel turc. Et voici des vitrines en trompe-l'œil qui représentent des maisons de campagne irlandaises. Et par ici, on accède à la cuisine. C'est un vrai désordre, alors n'y allons pas. La couleur de cette pièce a été inspirée par ces rideaux, tissés en 1937, pour ma grand-mère, Edwina Mountbatten. Elle était très fortunée. Ces chaises sont ma création. Je les appelle aussi chaises papyrus.
Le tissu représente un motif créé par mon père, David X, et qui date de 1970. Cette table allemande des années 20 est très ingénieuse. Elle s'agrandit en un rien de temps quand il y a plus de monde. Le Graal est peint en faux marbre. Hormis ce morceau ici qui est du vrai marbre, et là ce sont des corbeaux en plâtre qui ont été peints. Voici des portraits d'Allegra et d'Ambrosia. Elle a 9 ans maintenant, mais elle devait en avoir 4 à l'époque. Et Angelica, notre fille aînée, qui a 13 ans. Moi, j'étais très enceinte quand on est venu vivre dans cette maison. Donc, j'avais des idées absolument extraordinaires. Pas vraiment bien pour une maison. Mais j'avais cette idée de faire une maison bleue, une maison rouge. Donc, mon mari a dit, écoute, peut-être c'est une bonne idée si moi, je commence à faire un schéma de qu'est-ce que je pense que ça va être une belle maison. Et voilà, ça s'est sorti. On a changé beaucoup depuis qu'on est venu vivre ici. La maison, elle évolue énormément avec nos produits, les tissus qu'on fait, les tapis qu'on fait, tout ce que c'est notre, si vous voulez, notre mot de créateur. Et finalement, là, on a vraiment réussi à faire un mélange qui est très Ashley et très moi et qui marche très bien, je pense. Un coffre marqueté, une création d'Allegra X. Nous mangeons sous cette table qu'Allegra a peinte lors de notre lune de miel. Encore des tissus, voici des David X par Ashley X, ainsi qu'un Allegra X. Voici une pièce de mobilier que j'ai créée. Encore une de mes créations, des chaises françaises recouvertes de tissus Allegra X. Madonna en a un chez elle. Cette cheminée, je l'ai faite faire en Inde. Au sol, vous avez un tapis Allegra X, celui-là est fait en point de chaînette. Des soies estampillées Allegra X. On a beaucoup de ces poignées de bronze en forme de serpent. Ma conception. La balustrade, créée par Tom Dixon avec sa rampe d'acajou d'origine. Ici, nous sommes sur un tout petit palier de la maison. Il faut donc optimiser l'espace. Ce petit décor est superflu. Personne ne s'assoit ici, mais bon. On peut accrocher des manteaux là-dedans. Un portrait du roi Édouard VII, à l'époque de l'entente cordiale. Et un autoportrait d'Advigor Harica. Ici, nous avons un mélange de genres, des dessins de Jean-Michel Basquiat. Ça, c'est le drapeau du yacht de mon père, à Fréjus. Les pieds des enfants, tout petits, peints par Samantha McEwen. Ça, c'est un cadeau de mariage d'Anish Kapoor. C'est une de ses aquarelles. Ça, c'est un portrait d'Allegra par Donald Bachelor. Voici le salon. À l'origine, c'était une seule pièce. Nous avons construit ce mur-ci pour créer une petite bibliothèque là-bas. Nous avons une grande collection de livres. J'aime les arranger par couleur, car cela rend une pièce plus grande qu'elle n'est vraiment. Si vous avez une grande bibliothèque, vous faites ce que vous voulez. Mais avec un espace aussi restreint, je trouve qu'arranger les livres par couleur, bleu, vert, donne un résultat très harmonieux, qui paraît plus grand. En plus, ayant un sens visuel très développé, je trouve ça plus facile. Ah oui, celui-là a une couverture noire. Au-dessus du canapé, c'est une collection de visages, tous différents. Il y a ma grand-mère, par Cecil Beaton, en 1930, Francesco Vezzoli, un ami dont on allait voir l'exposition. Ces portraits de célébrités sont en fait des broderies. Et Allegra a acheté Mère Teresa. On est un peu le résultat de l'évolution du temps, je pense.
Je me sens très religieuse, je me sens très spirituelle, je pense que c'est très important, je pense beaucoup plus que mon mari. Ça vient de Nymphenburg. Je l'ai ramenée un jour comme cadeau de Noël pour Allegra, et elle était horrifiée, car elle n'est pas religieuse et elle était très surprise. Elle pensait que c'était un mauvais présage. Mais je le trouve très beau, en particulier aux côtés de cette œuvre de Lang Lands & Bell, des amis sculpteurs. Je trouve que le noir et le blanc se marient très bien. J'aime bien jouer avec les objets, les arranger à ma façon. J'en ai plein les placards. Ça n'en finit pas. Ce sont des bouteilles en verre romaine, pour du parfum ou de l'huile, très certainement. Mais on les appelle plus souvent bouteilles à larmes. C'est assez romantique, et je les ai donc offerts à Allegra. Un canapé français, recouvert de soie Allegra X. Une table que j'ai créée. Voici la pièce qui a le plus de succès. Et voici Paris. Très chouette. Je pense que les Anglais ont un excentrisme extraordinaire. Et quand je suis venue vivre à Londres, je trouvais que tout était permis dans une certaine façon. Et voici la chambre à coucher. Elle est peinte de couleur haut de Nil. Au-dessus du lit, nous avons deux tableaux, pour lui et pour elle, en quelque sorte. À droite, c'est un Griot Demo que j'ai offert à Allegra, et à gauche, c'est un Alberto de Fabio qu'elle m'a offert. Je trouve amusant que celui de gauche fasse plutôt masculin, tandis que celui de droite soit plutôt féminin. J'aime utiliser cette chose très vieux jeu, et que l'on pourrait appeler frange de mousse. Ça date des années 30. Le challenge dans cette pièce, c'est de toujours pouvoir trouver plus d'espace pour la garde-robe d'Allegra X. La tendance naturelle d'une femme est d'acquérir de plus en plus de vêtements. Mais une styliste, c'est effroyable. Avec chaque collection, je dois créer toutes sortes de meubles différents, rien que pour cette impressionnante garde-robe. À Londres, je pense jamais aux vues. Je pense toujours au jardin. C'est pas vraiment la ville où tu vois et tu dis « wow ». Ça, c'est une vue fantastique. Tandis que Paris, Rome, ils ont vraiment des vues extraordinaires. Ici, je préfère le vert. Alors pour moi, c'est très important d'être à côté d'un jardin, d'être dans un coin « cozy ». Les Anglais sont tellement bien avec ce mot « cozy ». Tout est « cozy ». Bonjour, je suis Hassan. Bienvenue chez moi. Bienvenue aux trois garçons. Welcome tous les trois garçons. Alors, dans le quartier, il y a une boutique appelée Story. Le nom indique déjà un peu ce que vous trouvez à l'intérieur, à savoir des objets qui ont chacune une histoire. Des vêtements, des parfums, toutes sortes de mobilier. Il y a vraiment de tout. Chaque chose est personnalisée et c'est vraiment fait avec le cœur. Et c'est donc semblable à notre travail. Thank you.
On a choisi cet endroit car il est juste derrière chez nous. Voici le Lounge Lover, un bar à cocktails qui se trouve juste derrière les trois garçons. Et c'est un peu une extension de notre salon, car on reçoit ici aussi. Ici, c'était le quartier des bouchers, et c'était donc un ancien entrepôt. Alors on a placé des gélatines de couleur sur les fenêtres afin d'adoucir la lumière et rendre le lieu plus intéressant et coloré. Le long de ce mur, il y avait autrefois des frigos et congélateurs pour la viande. On a donc créé des coins différents. Par exemple, ici, c'est comme un petit salon, mais avec un thème médical. Ici, on a une table plus rustique avec des chaises du 18e et 19e siècle provenant d'une ferme suédoise. Ici, c'est le salon privé, car on peut réserver la pièce tout entière. Et là, c'est la chambre dorée, un petit bar. C'est le quartier rouge du lieu. La nuit, il y a une ambiance sexy. Les filles se prélassent sur le canapé en buvant leur champagne. J'adore les lustres, alors il y en a des tonnes partout. C'est comme ça. Et on a appelé ça le Lounge Lover parce que je voulais un lieu où les gens pouvaient laisser aller. Il y a une jeune femme qui s'est installée derrière le Lounge Lover. Elle récupère des vieilles pièces de mobilier. La boutique s'appelle Squint. Elle achète également des tissus anciens, des anciens kimonos, des tissus des années 40 ou 50. Elle les découpe en morceaux pour en faire des patchworks, dont elle recouvre les meubles. Elle fait revivre des meubles anciens, avec un sens inné de la couleur. Elle mélange l'orange, le rose ou le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Comme l'a dit Michel, elle fait son travail avec passion. Et nous soutenons vraiment les gens qui ont une véritable foi en leur création. Car c'est notre mode de fonctionnement. Tout ce que nous entreprenons vient du cœur. Et nous reconnaissons les gens qui font ça comme eux nous reconnaissent. Et Squint en fait partie. Un des endroits que nous aimons est le coiffeur Taylor & Taylor sur Commercial Street. Le propriétaire est quelqu'un de passionné. Il fait en sorte que chaque visite devienne une expérience unique. Il a transformé son salon de coiffure en lounge. Vous pouvez y prendre un verre. Et il nous a demandé de créer un cocktail qu'il peut proposer à sa clientèle lorsqu'elle patiente pour une couleur ou une coupe de cheveux. Il y a de très belles pièces de mobilier et les murs et les lustres sont très réussis. C'est un espace à la fois décadent, confortable et élégant. Je crois qu'il s'est beaucoup inspiré du Lounge Lover et des Trois Garçons. Il l'a arrangé à sa façon, mais je trouve ça plutôt flatteur. Oui, oui, on s'inspire mutuellement.